J'ai fait une formation au Conservatoire de Paris, terminée il y a bien longtemps déjà. Et je connais la compagnie HVDZ depuis 11 ans. J'ai fait deux spectacles avec cette compagnie, Les Sublimes et Bazance 19. Et après, j'ai eu envie d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait. Mais ça s'est un peu imposé à moi, le fait de partir. Ça m'a fait prendre conscience de la valeur de ce travail, en fait. J'ai en fait fait le stage AFDAS et je pense que ouais, voilà, y a eu une espèce d'harmonie tout de suite entre nous tous. De là, né Messi Fort. J'ai travaillé avec Chloé Molia, en fait, qui j'ai l'ai remplacée sur un de ses spectacles il y a 5-6 ans. Elle était enceinte. Et le spectacle s'appelait I Look Up, I Look Down. Et c'était une grande paroi lisse. C'est deux trapézistes, en fait, au départ, ces filles-là. Et donc, j'ai remplacé une de ces deux personnes. Sauf que moi, je ne fais pas de trapèze. Et en fait, elles m'ont guidée vers, entre guillemets, là, une certaine forme de pratique de l'aérien, sans m'accrocher à un agrès en tant que tel. Et ça a été une vraie belle rencontre de personnes. Et du coup, même physiquement, moi, je suis danseuse, donc je suis dans le sol, je suis dans mes jambes, je suis au sol. Et du coup, elles m'ont fait un peu m'envoler, quoi.